Et être dans mes fonctions actuelles, avoir cette opportunité pour réparer et m'abstenir de le faire, ce serait louper une occasion de rentrer dans l'histoire. Ce serait une occasion de louper une occasion qui vous permettrait, à la fin de sa vie, de se regarder dans le miroir et dire, j'ai accompli quand même ma mission sur Terre, même si par moments, on n'a pas été à la hauteur des attentes de nos concitoyens, de notre environnement, et que nos intérêts personnels ont pu peut-être nous aveugler. Parce que la nature humaine prospère d'abord par son ambition personnelle. Notre ambition individuelle nous conduit dans la vie. À un moment donné, nous pouvons, au-delà de nos ambitions personnelles, de satisfaction matérielle de nos besoins, chercher le mérite par des actions qui vont au-delà de nous-mêmes pour satisfaire un environnement plus large que le nôtre. Mais l'opportunité que j'ai aujourd'hui d'agir, je ne veux pas ne pas la saisir. Et passer 5 ans et partir en ayant seulement eu le mérite de la fonction, jouir des différences que génère cette charge et ne pas assumer la difficulté, même la partie corvéable de la chose. Et c'est pour ça que, bien que je paraisse aujourd'hui très impopulaire, que mes partisans, mes amis, les parents trouvent que c'est trop dur et que la lutte contre l'impunité paraît déranger même les gens les plus proches, je ne vais pas lâcher prise. Parce que j'ai l'assurance que cela va contribuer à une meilleure expression du talent de chacun demain. Que le travail de chacun donnera davantage de résultats si l'environnement est assaini. Et c'est pour ça que nous allons continuer. Je vais continuer dans ce sens.